And it goes a little something like, salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi le 16 avril. Et je viens d'aller porter mon beau Lionel à l'école. Il est 8h30. Ouh, j'ai une bonne petite couette. Ouais, fait que c'est ça. Je viens de revenir. Aujourd'hui, il fait soleil à date. J'espère que ça va rester comme ça. Puis, sérieux, je suis tellement fatiguée, là. J'ai de la misère à me lever ces temps-ci. Puis, j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi. J'ai genre pas mal toujours été quand même une lève-tôt, là. Puis j'avais pas de misère à me lever. Je me levais, puis je faisais mes affaires, puis tout allait bien. Genre, je m'entraînais, puis j'avais le temps de faire 72 millions d'affaires avant de partir travailler. Et maintenant, hopelay, je rush. Fait que c'est ça. Ce matin, ça a été plus ardu de sortir de mon lit. J'ai snoozé vraiment longtemps. Puis là, on dirait que je me sens comme un peu fatiguée. Ouais. Fait que là, je pense que je vais m'installer, écouter un petit quelque chose à la télé en buvant mon café. Puis je vais essayer de me faire un petit plan pour ma journée. Sérieux, ma couette est genre en train de tomber, puis de... Ça fait genre tirer sur le top de ma tête, ça fait mal. Ouais. Fait que... Je vais essayer de me faire un plan de la journée. J'ai un peu peur que ma journée soit coupée court, parce que Lio, dans l'auto, il m'a sorti qu'il avait mal aux oreilles. Mais quand mon Lio a mal aux oreilles, souvent la fièvre embarque pas longtemps après ça. Puis que j'ai texté mon amie, qui est sa prof de maternelle, puis j'ai fait genre « Hey! Si jamais il te parle qu'il a mal aux oreilles puis qu'il file pas, let me know! » Parce que Lio, il a vraiment de la difficulté comme à parler aux adultes et aux personnes qui ne sont pas genre ses best friends. Fait que des fois, mais tu sais, mettons, avec mon ami, ça va quand même pas pire, là, parce qu'il la connaît depuis qu'il est bébé. Mais il aime genre pas déranger. Fait que il garde par en dedans jusqu'à temps que comme il soit plus capable de garder par en dedans. Fait qu'en tout cas, quand elle sait qu'il va pas top, ben elle peut garder un œil dessus. Bref, c'est ça. J'ai comme peur que ça fasse comme la semaine passée puis que je doive couper ma journée de productivité court en allant chercher un de mes bébés malades. Claire, qui a fait de la fièvre d'ailleurs jusqu'à vendredi. Fait qu'elle a fait de la fièvre le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Puis là, tout saute encore un peu. Dans le fond, une fois qu'elle a eu fini de faire sa fièvre, elle s'est mise à tousser un peu. Mais c'est ça. J'ai plus rien à dire. À plus tard. Je viens de me faire livrer. Je viens de recevoir ma livraison pour un cadeau que j'ai reçu en faisant. En m'abonnant à la plateforme Activation. Dans le fond, pendant le mois de mars. Pendant le mois de mars, il y avait genre un spécial que si tu t'abonnais à la plateforme d'entraînement Activation, tu recevais genre un cadeau avec achat d'une valeur de 160$, il me semble. Fait que j'avais fait la... c'était un 2 semaines d'essai, je pense, ou une semaine, 2 semaines. 2 semaines gratuits d'essai de la plateforme. Puis après ça, si tu restais abonné, ben tu te faisais livrer ton cadeau. Puis j'ai bien aimé la plateforme. Hier, j'ai reçu la notification de shipping pour mon cadeau. Et je le reçois aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais vous le montrer. Je suis vraiment une grande fan des Go et de Mamé. Ici. Fait que je suis vraiment contente parce que j'en ai 6. 6 paquets. Fait que j'ai... Je pense que j'en ai un de chaque, dans le fond. Un wrench. Un cornichon à la nette. Nacho. Sriracha.
nature et sel et vinaigre. C'est tellement bon, genre j'en ai l'eau à la bouche. Ensuite, ça, je suis vraiment contente de pouvoir les essayer. Je trouve qu'ils ont l'air intéressants. C'est les Go Crisp. Un au tiramisu. Un tarte au citron. Explosion de baie. Caramel salé. Et chocolat et noix de coco. Ah, ça, ça a l'air bon. Ça sent rien. Ça sent l'emballage. Ensuite, ça aussi, je suis vraiment très énervée, surtout que j'ai les nouveaux. Ça, à ce qui paraît, il faut faire attention de ne pas trop en manger. Ouais. D'ailleurs, il y a un avertissement. Recommandation. Puisque les Go Gummies représentent un produit très riche en fibres, nous vous recommandons de débuter par consommer la moitié d'un sachet, soit 7 à 8 jujubes, afin de voir votre tolérance et ainsi éviter les inconforts intestinaux. Fait que, genre, si tu manges tout un paquet puis que t'es pas habitué, ben, tu vas te ramasser à la toilette. Fait que, ouais, j'ai au pêche. Framboise bleue, ça c'est leur nouveau, qui à ce qui paraît est vraiment bon. Ananas, melon d'eau et cerise électrique. Woupou! Ensuite, on recevait un livre. C'est le livre Force. J'ai bien hâte de voir, ça a l'air d'être genre un livre. Ouais. J'allais dire, ça a l'air d'être un livre de développement personnel. Puis en arrière, c'est écrit un livre de développement personnel. Voilà, donc le livre Force. Le livre Reset, qui est genre un livre de recettes et workout, conseils, programme d'entraînement, motivation. J'ai bien hâte de voir. Il y a quelques recettes que j'ai essayées, que j'avais accès genre sur l'app, qui étaient bien bonnes. Fait que j'ai hâte de voir. Ouh! Gruau overnight fou du chocolat. Ouais. Pochette aux crevettes et aux crabes. Ok, leurs images sont définitivement très belles. Ouais. Ça me donne faim. Fait que ouais, on reçoit le livre Reset. Et finalement, un agenda. C'est un agenda santé, motivation et entraînement. Ouh! Avec des autocollants. Affaires, ne pas oublier, rendez-vous. Cute, il y a genre des petites poubelles, des petits recyclages, de l'argent pour genre quand c'est ton jour de paye. Des trucs de workout. Des petits trucs de famille. Ça, je trouve ça intéressant. Là, puis c'est genre séparé par bloc. Avec genre des... Attends, bloc 1. Plan de match. Puis là, tu peux comme faire ton petit plan de match pour ton bloc 1. Je sais pas c'est combien de temps un bloc 1. 4 semaines. Mon mantra des 4 prochaines semaines. Intéressant! Ah, c'est cool! C'est cute, genre à la fin, il y a comme... Mettons, une banque d'idées pour des objectifs à atteindre. Une banque d'idées de citations ou de mantras. Une banque d'idées... pour le défi, une meilleure version de moi-même.
Fait que c'est genre tous des petits défis du genre épurer ma garde-robe, contempler un coucher de soleil, être courtois sur la route. Oh! J'aime bien. Fait que ouais, c'est ce que j'ai reçu en m'abonnant à la plateforme. Je suis vraiment très très contente. Puis là, j'espère que mon chum va pas tout manger mes affaires. D'ailleurs, il va falloir que... J'ai dit-tu qu'il faut pas tout qu'il mange un sac au complet? Sinon, il va faire caca. Je sais pas. Au pire, ce sera sa punition s'il me le vole. Ouais. Fait que... Je suis vraiment très contente. Ça vaut la peine. Parce que dans le fond, les petits ces produits-là sont quand même dispendieux. Ils sont très bons. Mais ils sont quand même dispendieux. Fait que... Ça vaut la peine. Parce que justement, je me cherchais genre un nouveau programme ou une nouvelle plateforme genre pour me motiver et faire un peu changement. Puis à date, oh là là! À date, je suis bien satisfaite de cette plateforme-là. Fait que c'est comme un petit bonus pour m'être abonnée. Puis en plus, on l'avait en rabais. Je pense qu'on l'avait à 50% de rabais. L'abonnement. Fait que c'est ça. J'ai cru entendre qu'ils faisaient quand même souvent des spéciaux, là, puis genre des trucs un peu plus genre de pub là, pour se faire connaître. Fait que moi, c'est grâce à des pubs de personnes qui parlaient justement du spécial que je me suis abonnée. Bref. Voyons les cheveux. Je perds encore et toujours mes cheveux. Mon bébé arrive à 15 mois et je perds encore mes cheveux. Ouais. Sur ce, je vais continuer de faire mes petites affaires. Tu sais là, mon struggle, là, c'est que quand je m'achète ou quand que je reçois des nouveaux trucs de bouffe, là. J'ai tout le goût de goûter en même temps. Mais comme, je ne peux pas tout goûter en même temps. Puis en ce moment, j'ai même pas faim. Mais genre, j'ai le goût. Bref, sur ce, je vais ranger mes petits trucs. Faudrait que je fasse du ménage. Il est midi et 20. J'ai terminé de m'entraîner. Puis je viens de me faire un dîner. C'est un... muffin anglais au blé entier avec du thon, un peu de mayo, puis du fromage mozzarella et cheddar avec ici, des Quest nacho cheese. Ils sont vraiment très bonnes, ces chips là. Fait que je vais manger ça, puis après ça sûrement que je vais aller m'acheter une paire de souliers. Ma mère m'a demandé si je voulais aller au magasin avec elle parce qu'il y a des petits rabais dans un magasin qu'elle aime bien, une petite boutique. Fait que je vais peut-être aller là regarder les souliers avec elle. Puis après ça, je sais pas trop. J'ai pas vraiment de plan. Oh. Ouais. Ce matin, j'ai fait un peu de lavage. Fait un peu de vaisselle. J'ai fait d'autre? J'ai lavé un matelas. Je pense que je vais genre les faire un après l'autre. Les matelas dans la maison. J'ai lavé des draps du matelas que j'ai lavé. Fait que Léo, il va avoir un beau lit propre ce soir. Puis je pense qu'en fin de semaine ou la semaine prochaine, je vais faire notre lit à nous. Puis après ça, le lit à Claire, sûrement. Genre le matelas. Là. Fait que ouais, c'est ça. J'ai faim. Fait que je vais manger. Puis je pense que je vais écouter un petit peu la télé. Je suis fatiguée. Puis je trouve ça plate parce que là, il fait plus soleil. Le ciel est full gris. Puis on dirait que ça me... On dirait que toute la motivation que j'avais ce matin, on l'a fait pouf, est repartie. Voyons.
J'écoutais de la musique dans mon char. Je viens de revenir de mes petites commissions avec ma moum. Ma moumine! Puis je me suis dit que j'allais vous montrer les souliers que je me suis acheté finalement, que je n'ai pas pris dans la petite boutique qu'elle aime bien parce qu'il n'y avait plus ma grandeur. J'ai des grands pieds, fait que c'est ça, il n'en restait plus. Fait que ça, je suis allée m'acheter des souliers, puis je suis allée faire des petits achats. Au Dollarama Dollarama et au IGA. Je me suis dit que j'allais vous montrer ça tant qu'à ça. Premièrement, mes souliers, c'est des Converse. 9 pour hommes, 11 de femmes. Et ils me font. Ils me font. Fait que j'ai pris les Converse All Stars. Les blancs. Comme ça, j'ai essayé les blancs et les noirs. Il y en avait genre des plateformes qui étaient vraiment beaux, genre beige. Mais ils se faisaient pas dans le 11. Fait que j'ai pris ceux-là. Et honnêtement, c'est donc bien confortable, des Converse. On dirait que je ne savais point que c'était confortable comme ça. Fait que c'est ça que je me suis pris comme paire de souliers. Et sinon, au Dollo, j'ai pris des livres. Donc, j'ai pris le livre élémentaire. Et ces deux-là que je trouvais, ma foi, adorables. Fait que Louis, l'éléphant qui peignait. Puis, Ona, la licorne. Et Zoé, la sirène. Comme ceci. Puis, j'ai aussi pris deux paquets de fraises lyophilisées. Fait que des fraises genre séchées à froid. Freeze-dried. Mais là, ils sont à l'autre bout. Ils sont dans ma cuisine, puis ça ne me tente pas d'aller les chercher. Parce que c'est la fête d'une de mes cocottes cette semaine. Puis, dans le fond, vu que moi, mon groupe, on s'appelle les Donuts. Les Dazzling Donuts. Ben, quand c'est leur fête, je leur fais tout le temps une recette de beignes différente. Puis là, je vais faire genre des petits beignes aux fraises. Fait que j'ai pris ça. Sinon, au IGA, j'ai acheté ça ici. C'est genre des mini pains nan. Lio a comme une obsession pour ces pains nan-là. Il en mange pour déjeuner, genre avec du beurre d'épinot. Puis Claire, elle aime vraiment ça aussi. Fait que j'ai racheté un sac. Sinon, j'ai pris des petits pita style grec parce que je me fais comme une recette de pizza avec ça, avec de la sauce salsa, de la viande hachée, du fromage. C'est vraiment très bon. Les barres chocofave étaient 2 pour 3$. Alors j'ai pris 2 s'mores parce que c'est mes préf. Préf, préf. J'ai pris des petits biscuits comme ça. Je pense que j'avais faim. Fait que j'ai pris des petits biscuits comme ça. J'ai espoir que Léo va les aimer. Sinon, je vais les manger. Sinon, mon chum va les manger. Sinon, j'ai trouvé ça. Je suis épatée. C'est des bâtonnets au beurre d'arachide que tu trempes dans de la confiture, les amis. Fait qu'il y a framboise et il y a fraise. Évidemment, c'est pas pour l'école. Parce que tu peux pas avoir de beurre d'arachide à l'école. Mais, moi, je suis genre une méga fan de beurre d'arachide confiture. Ouh! Ouh! Je vais y goûter. Oh, la confiture me semble épaisse, ma foi. Oh! Oh! Très épaisse. Genre... C'est gagnant. Oh wow! Ça colle dans le palais. Mais c'est vraiment très bon. Wow! Je suis satisfaite.
Fait que c'est au IGA, dans la section genre des bartends et tout là. Ok, c'est bon. Hey gang, encore une fois, j'ai pas conclu mon vlog. Puis je suis vraiment désolée là. Il y a comme eu beaucoup de up and down ces dernières semaines, beaucoup d'incertitudes genre avec le travail et tout. Il s'est comme passé des affaires. Fait que j'ai eu comme les dernières semaines ont été quand même plutôt rock and roll. Fait que j'ai comme manqué des uploads, j'ai pas revlogué, j'ai pas refait de montage. Fait que là, j'étais en train de faire le montage de genre un vlog de la mi-avril. Et ben, celui que vous écoutez. Puis c'est ça. J'ai pas de conclusion. Fait que je vous conclue ça là en vous faisant une petite update là, sur le fait que comme là, je devrais reprendre le dessus. Tout s'est réglé. Tout est positif et tout va bien. À moins que ça change là. Va toucher du bois. Va toucher mes moulures. Toucher du bois. Tout devrait être correct. Fait que c'est ça. Je vais vous dire un beau gros merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit. Puis on va se revoir bientôt. Bye!